tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien des beaux temps. Bref, alors moi ici, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Franchement, on est super contente, on avait hâte. Il y a quelques temps, je vous avais parlé des achats que j'avais fait sur un site Pop Culture. Ce sont des pops. J'ai fait, comme vous voyez sur la miniature, c'est un grand carton. Donc en fait, j'ai fait... des achats de plusieurs pops et à peu près une vingtaine. Il me semble que c'est ça. Donc, on va commencer. J'ai enlevé le gros carton. Mais par contre, regardez, il reste ça. Donc, j'en ai plusieurs. J'en ai vraiment plusieurs, des cartons comme ça. Donc, on commence. On y va. Alors, je suis trop contente. Un truc de dingue. Oui, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Donc là... Oui, c'est Grinch. Donc là, c'est une floquée donc, que je vais vous montrer. C'est la 12 et c'est le Grinch, comme on dit mes filles. Alors, du coup... Il est super beau, Grinch. Oui, exact. C'est une édition spéciale et elle est vraiment très, très, très jolie. Là, je regarde l'emballage parce que... C'est la bouquette. Exactement, c'est une floquée. Oui, c'est une floquée. Sa bouche, elle est belle. Elle est belle, sa bouche. Ah, c'est bien, on la voit bien. Regardez, je vous les présente. Je vous les présenter comme ça, tout simplement. Je vous montre derrière aussi. Pour qui t'as pas collection. Ouais. Ce qui reste. Donc, il y a la 12, il y a la 13, c'est Max. Et il y a le Grinch avec. Le traîneau. Alors, il a quoi comme différence? Ah, il a quelque chose sur les mains. Oui, un plateau, je pense, avec une dinde. Exactement, un plateau avec une dinde. Ah ouais. Donc, super contente de l'avoir parmi nos collections. Maman, je te vois. Donc, voilà. Maman, je te vois. Oui, mon cœur. Alors, franchement, je vais vous montrer, maman, regardez. C'est comme ça et ça a été bien protégé, là. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de, entre guillemets, de déception. Parce que c'est vrai que deux fois, Pop Culture, c'est pas la première fois que je commande des pop, etc. Ça peut... Maman. Hein, il peut arriver qu'on trouve une boîte un peu éclatée ou quelque chose comme ça. Ah, bon, après, on envoie un mail, etc. et on s'arrange. Mais c'est vrai que sur le coup, on préfère les avoir nickel. Mais après, bon, voilà, hein, j'ai envie de dire, on se débrouille après. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mon cœur, je pense pas. Nous avons maintenant une autre pop. Oh là 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 là, c'est une édition spéciale aussi. Ah, c'est une diamant. J'avais oublié, j'ai complètement oublié ce qu'on a pris. Hein. Ouais, donc là, c'est la 736, c'est les vilains. C'est Cruella. Donc elle est sublime. Elle est toute seule. Sublime. Regardez-moi ça. Elle est toute seule. Exactement. Ouais, elle est toute belle. Elle est jolie? Ouais, elle est toute jolie. Elle est trop belle. Je vais vous les montrer après. Donc là, je vous les montre comme ça. Et après, je les sortirai. Je les montrerai une par une. Voilà comment je vais faire. Là, nous passons maintenant au dessin animé Toy Story. Je ne sais pas comment ils les ont montrés. Comment ils les ont mises par rapport à ce que je vous les montrais. Vous voyez comment je vous ai montré la boîte? Je ne vois pas. Je ne sais pas comment ils les ont rangés. Donc là, on passe à la 562. Donc Toy Story. C'est une édition limitée, donc c'est une exclusive. Et c'est, comment il s'appelle, Mister Prickle Punk. En gros, c'est l'hérisson de Toy Story. Donc, hop, et à l'arrière, comme ça. Nous avons maintenant, on passe à qui? Donc on passe à la 386, c'est Boo, Monstre et Compagnie. Elle est super jolie. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils ont appelé Boo. Ça nous fait penser à la boule. Et derrière, on a la collection hein, qui va avec, comme ceci. Voilà la quatrième, la cinquième. Celle-ci, c'est le... Comment s'appelle le film? Ça. Le film Ça. Voilà, c'était quand j'ai vu It, j'étais en train de me dire... Ok, donc Georgie... et après, je ne sais plus comment il s'appelle, là, son nom. Mais en gros, voilà, c'est la 536, comme je vous disais. Elle est super mignonne. Franchement, j'aime beaucoup. Et derrière, comme ça. Vous voyez, hein, tous les personnages, etc. Alors moi, franchement, je ne vais pas vous mentir. Je ne compte pas acheter, à part lui que j'ai aimé dans le film. Skin, il m'a fait pitié. Donc, je l'ai pris parce que j'ai bien aimé, entre guillemets, le film en, dans la généralité. Mais après, les personnages méchants et compagnie, là, dedans, non, ça ne me dit rien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va voir ça
Après, maintenant, okay, ici, je prends toilette. Un autre carton du papier toilette, n'importe quoi. Je prends un autre carton qui me dit que c'est une, ouais, une pop toute seule. Donc, regardez, elle était toute seule et bien, vous voyez? Parce que sinon, elle se... Hop. Sauf que là, je viens de voir, donc pour nous, les personnes qui collectionnent, on se dit, oh, zut de flûte. Elle a un petit trait ici. Bon, passons. Maman, moi, je dirai ça après. Donc, c'est la 701 et c'est quelque chose, mais vraiment une série qui au top de chez au top. Oui, d'accord, c'est la série Friends et là, c'est Joey. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, cette série. T'as vu mon cœur? T'as vu mon bébé? Oui, il est trop beau. Ah, il est trop beau, mon cœur, magnifique. Et derrière, on a tous les personnages. Au pire, on regarde. Pour pas leur faire mal aux yeux. J'en prends sur le côté. Un autre. Donc là, on passe sur un carton encore une fois rempli. Donc là, on en a combien de pop? 4, 5, 6. Vas-y, vas-y. Ok, 6. On a 535 qui est le shérif Woody avec fourchette dans sa main. Et elle est tout juste forky. Donc elle est toujours magnifique. Maman, attends mon cœur, après maman va te montrer mon amour. Attends deux petites secondes. Trop mignon, comme ça, les personnages derrière encore une fois. J'aimerais trop avoir comme ça. Gabi Gabi. Et oui, nous avons une autre que je prends. Alors celle-là, c'est une édition spéciale. C'est la 883 et c'est du dessin animé Les Trolls. Alors franchement, c'est... Elle est vraiment très très belle celle-là, ouais, c'est une édition spéciale, donc elle est vraiment bien, la boîte, je regarde si tout va bien, et elle va bien, donc c'est Poppy, regardez Poppy, une édition limitée, une édition spéciale mon cœur exact, elle est trop 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 jolie, derrière comme ça, attends mon cœur, oui, derrière les personnages, voilà. Nous passons à ma fille qui vient de nous dire qu'on avait fourchette de Toy Story 4, la 528. Elle est là, regardez-moi ça. Oh là là, c'est trop bien. Et derrière, vous avez encore compris qu'on a les mêmes personnages. Donc, dès que je vous présenterai Toy Story 4, vous avez compris que les personnages, hein, entre guillemets, qui ils sont. Hop, c'est bon. Exact, mais il est trop beau, fourchette, en plus, ce que j'ai aimé, alors il y avait une fourchette, alors attendez, je sais qu'il y a fourchette, alors je sais pas si c'est en pop, ou je sais plus comment, parce que bon, voilà, en tant que parent, on achète, etc, etc, donc hein, vous me comprenez, mais je sais pas, j'ai vu une fourchette, je pense, il y en a une qui souriait, et il y en a une autre qui boudait, on va dire ça comme ça, moi j'ai pris en mode sourire, mais je sais pas si c'est dans les pop ou pas, je sais plus, en tout cas là, je la vois pas derrière, donc déjà, c'est pas de la carte, donc à mon avis, c'est... Ça doit pas maman, être Toy Story 4 et des pop. Maman, alors là. Maman, elle alors est là. Belle. Elle est plus belle. Elle est comme. Elle est plus belle, pardon. Elle est plus belle, ma fille, elle a dit attendez. La 532. Toy Story 4. Et on a cette fois-ci, c'est une floquée. Elle y était non floquée. Moi, je l'ai pris en floquée parce que franchement, elle claque. Elle claque beaucoup plus en floquée qu'en non floquée. Attends, ma chérie, après, tu vas les voir une par une, mon cœur. Après, promis, tu vas les voir une par une. Tu vas rigoler avec. Et c'est Bunny. Regardez-moi ça. Il fait du. C'est bon, mon cœur, on voit bien. Maman, on dit, il fait des sauvages. Non, c'est bon. Ah, c'est. Il fait des sauvages. Il est trop, trop beau. Ouais. Trop, trop, trop mignon. Je recule ma fille pour pas qu'elle soit devant l'objectif. Et, on passe à lui. Oh là là. On prend. Pareil, la floquée 531 Toy Story 4. C'est Duki. Ah, c'est Duki. Bonjour, Duki. Regardez-moi ça, fait, comment il est beau ce poussin. Il est pas trop beau, il est floqué. Je vous dis, c'est magnifique. Quand je vous dis, c'est beau, mais alors d'un beau, je vous dis même pas. Hop. Alors là, nous avons Duke Kaboom. La 529. Qu'on peut avoir. Comme ça. Comme ça. Trop, trop contente. Franchement, trop, trop bien. Je me demande si on peut l'avoir avec sa moto. Je sais pas, tu peux passer un carton, mon cœur, s'il te plaît?
Non, avec la moto, ils l'ont pas faite. Bah non, regarde la collection derrière, elle y est pas avec la moto, mon cœur. Ouais. Donne-moi ça. Il nous reste deux cartons. Donc, là encore un qui est bien plein. Et encore une fois, on ne sait pas ce qu'on va prendre. Hein, regardez. C'est même pas, je peux savoir ce qu'il y a. J'ai oublié en plus. Donc, maman, je repars dans le suspense et le kiff de redécouvrir. Maman, prends Eve d'abord. Je prends Eve d'abord. Ouais, oui, calme-toi, mon cœur. Calme-toi. Maman, alors ça. Là, je prends. Oh là 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 là, le kiff. Ah, c'est dans la. Le kiff. C'est la série Friends, ouais. Et c'est une édition limitée. C'est une chaise. Et ben ça fait super plaisir parce que j'ai Monica Geller. Regardez-moi ça. Oh là là, j'aime trop. Mais qu'est-ce qu'on peut rire avec cette série. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, si on veut la regarder, c'est... Mais c'est vraiment le kiff total, quoi. C'est une série vraiment, je sais pas, mais indémodable, quoi. Vraiment. Et derrière, bah, je vous l'ai montré hein, tout à l'heure. Regardez, c'est comme ça. Hop là. Nous avons... Là, on passe à quelque chose d'autre. On passe à du Disney. Bon, je vous ai montré du Disney, mais celle-ci, c'est le chiffre 500. Et c'est... Timon. Voilà, donc c'est Timon du Roi Lion, merci. Alors, regardez-moi ça. Regardez comme ça. Il n'y a pas son gros ami, ami. Je sais plus. Je sais plus, on a oublié ma fille. Et derrière, comme ceci. Un kiff, mais alors un kiff. Et elles sont en train de parler entre elles. Je déteste quand elles font ça. Alors, on repart chez mes amis Friends, la 703, mais là, c'est Rachel Green. Rachel, mais qu'est-ce que je peux l'aimer. Ah, Rachel, en plus, elle a fait des beaux films et tout, elle aussi. Oh là 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 là, entre Monica qui avait fait les Scary Movies, là, on les scream, et elle qui nous a fait des beaux films aussi derrière, donc Rachel, la 703, comme ceci. Oh là là, je suis trop contente. Attends mon cœur. Regardez. Ah là là, je suis trop contente. Elle est trop belle. Maman, a autre truc. Ah, bref, truc. Dosez. Ah, bon, on repart chez qui les enfants? On repart chez. Et c'est qui? Tu sais, c'est la poupée là, ouais, dans le magasin. Là. Tu sais, dans le magasin, là, elle est comme ça en train de poursuivre les. Ouais, c'est les méchants. Exact. Alors, ici, c'est une édition limitée, une exclusive 2019 de la convention 2019. Et c'est Benson, la 618. Voilà, ma fille qui parle en même temps que moi. Je suis vraiment désolée. Mais bon, elle est excitée, hein, tout comme nous. Voilà, c'est un kiff, donc ça lui fait plaisir. Regardez-moi ça. On a sa petite copine. C'est trop bien. On verra, chérie. J'en prends une autre et c'est une édition limitée aussi, une exclusive de 2020, de la convention 2020. C'est Coco Miguel. Exact, c'est Miguel et c'est la 741. Regardez-moi ça, elle est pas belle franchement. Avec ça, elle est belle. Oh là 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 là, celle-ci franchement. Oh maman, voilà. Celle-ci franchement, ah ouais. Regardez-moi ça. Ah non, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, mais un kiff, quoi. Après, nous avons, je ne sais plus qui. Ah, ça, c'est pour faire un cadeau. Donc, c'est... alors là, attendez, il y a marqué Paris dessus. C'est la numéro 30. C'est une pop de Paris Saint-Germain pour les fans de foot. Donc, pas pour moi, entre guillemets. À part quand il y a des Coupes du Monde, ça me fait rire. Mais sinon, je suis pas fan, entre guillemets, de foot. Sauf si on s'y met à plusieurs et vraiment pendant les Coupes du Monde. Mais sinon, franchement, non, je suis pas fan de foot. Donc là, c'est pour offrir. C'est pour mon petit frère. Mon petit frère, mais qui est bien grand maintenant, au jour d'aujourd'hui. C'est Kylian Mbappé. Voilà, il est comme ça. Il est super beau. Franchement, il est super beau. C'est le 30. Ouais, franchement, la 30. Il est en bleu, il est en blanc. Et je lui ai pris en orange, je l'ai trouvé tellement belle, la tenue, elle est bien, etc.
Moi, j'aime beaucoup, hein, franchement. Au top, franchement, au top. Donc là, pour ce carton, on en a encore fini. Et il nous en reste plus qu'un. Et c'est déjà bien. Alors, là, ça va être... Ouh! Alors, attendez. Dedans, je ne vous montre pas le carton. Il nous en reste deux, mais c'est deux que j'aime vraiment beaucoup aussi. Ils sont grands, en plus. Alors, deux pop que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui sont... Une première, la 570 The Little Mermaid. Donc, c'est qui? Le roi Triton. Mais de quel dessin animé? La petite sirène. Exactement, de Disney. Et c'est une spéciale édition. Donc, une édition spéciale, une édition, comme tu dirais... C'est le roi pour les 30 ans. Non, mais elle n'est pas trop... Elle n'est pas trop belle. Oh là là. Celle-là, il me l'a fallu. Je l'ai pas prise dès qu'elle est sortie. Pourquoi, je sais pas. Bah, n'importe quoi, moi. Mais là, j'ai sauté dessus direct. Je sais pas pourquoi je l'avais pas prise. C'est n'importe quoi. Elle est vraiment très jolie. Regardez-moi ça. Elle en combien de pics? Oh là 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 là. C'est une... Version plus. Je sais plus. Je sais plus combien de pouces. Mais bref, elle est plus grosse que... Voilà. Voilà la différence. Hein. Voilà, mais comme ça. Et un kiff. Attends, mon cœur, s'il te plaît, mon amour. S'il te... Oui, bah attends deux petites secondes. Les détails, ça... Franchement, celle-là, en fait, c'est vraiment une... rien à en dire. Celle-là, en fait, c'est vraiment une pop et... qui a collectionné une malade. Elle est belle, hein. Ouais, elle est trop... Et la dernière. Wow. Ah, la dernière. C'est mes amis. Oui, oui, c'est mes amis. On en a fini. Fauna. Flora. Et pâquerette, ça vous dit quelque chose? Eh oui, c'est un pack de 3. Donc c'est Aurore de la Belle au Bois Dormant. Donc c'est une convention exclusive, donc 2020. C'est une édition limitée et elles sont vraiment, mais elles sont vraiment magnifiques. Vraiment. Oh là là, le kiff, le kiff, le kiff. On les voit bien? Oui, oui, mais, si, si, ça a la bleue, la rouge, la verte. Elles sont trop maman, belles. Ça a la bleue, ça a la rouge, ça a la verte. Vous voyez, ici, édition limitée, etc. Maman, c'est la bleue, ça a la rouge, de chez collector. Et ça a la verte. Et il y a la verte, très bien, mon cœur, je t'aime, mon amour. Voilà, tous ma les petite couleurs. Hâte. Et comme ça, à l'arrière. Ah, il y a ah non, mais elles sont magnifiques. Alors, tout ça, je ne les ai pas vues, ça ne me dit rien. En fait, à part la marraine, la bonne fée, là, tu sais. Mais sinon, voilà, trop parce contente. En fait, c'était si un chip, je ne vous dis même pas quoi. Oui, si tu disais. Par exemple, voilà. La de Paflora, elle a oublié de prendre le pack. Elle l'achète tout seul. Ils existent aussi tout seul. Ouais. Je les ai vus. Je ne pense pas qu'elles existent. Si, je les ai vus. Je ne sais pas, ça ne me dit rien. Ouais, peut-être alors, sûrement. Ouais, non, peut-être. Ok, mais moi, en tout cas, ça ne me dit rien de les noms. Tout ça, ça ne me dit rien, mais peut-être. Alors, comme promis, là, je vais vous les montrer déboxés. Donc, c'est parti. Nous avons ici les filles. Pâquerette. Pâquerette. Donc là, c'est du dessin animé. Regardez-moi ça, comment elle est jolie. Comme ça. Très, très mignonne, avec les ailes qui sont ici. Très jolie. Attends, mon cœur. Nous avons... Flora. Flora. Regardez comment elle est jolie aussi. Je tourne, pareil, hop, hop, hop. Après, nous avons... Fauna. Fauna. Regardez-moi ça, elles sont belles, hein? Oui. Ah non, franchement, moi, je les aime trop, en plus, dans le dessin animé. Hop là, autant pour moi. Donc, les petites ailes, encore une fois. Moi, ici, on a la... Attends, mon cœur. Ici, nous avons la... Hop là, la petite baguette magique. Et voilà pour Aurore, la Belle au Bois Dormant. Nous avons maintenant, attends mon cœur, Monstre et Compagnie, donc c'est Bou. Qu'est-ce qu'elle est jolie, elle aussi. Alors le but, c'est pas de voir mes doigts, hein, mais voilà. Et derrière, hein, elle est toute simple, hein, c'est surtout devant qu'elle est mignonne, parce que bah, avec le petit nounours et compagnie, très très jolie. Nous avons maintenant, alors en fait, vous avez compris, hein, les éditions limitées, etc., etc., tout ça, je l'ai déjà dit. Là, c'est une diamant. Donc là, c'est qui? C'est Cruella. Exact. La version diamant. Elle est pailletée. Elle est très, 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 très belle. Ouais. Super jolie. Avec le sac. Elle est vraiment très belle. Hein. Il n'y a rien à dire. Nous passons maintenant à un basique, mais très beau. Donc, qui est-ce?
Timon. Alors hop, regardez-moi comment c'est joli. Hop là, regardez-moi la fleur et tout ici. Il est magnifique, c'est un truc de dingue. Après, nous passons. Hop là. Alors ça c'est Ariel, le roi Triton. Et c'est un combien de pouces on avait dit donc? 6. C'est un 6 pouces je crois. Qu'on dise pas de bêtises, normalement c'est ça. Alors, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Regardez la différence avec une normale. Je vous montre la normale par exemple. Voilà, qui est déjà quand même balèze hein, celle-ci. Regardez la différence, vous voyez? Regardez, on la voit la différence. Hop là, regardez, hop hop hop, c'est super. Il est trop beau, rien à dire. Ah ouais, franchement, super joli. Donc voilà pour Mister, je m'éclate sous l'eau, le papa de Ariel, qui est donc, on disait, le roi Triton. Là, on passe à une floquée, c'est le Grinch. Le Grinch. Oh là là, les floquées, elles sont belles. Hein. Les floquées, c'est aspect velours. Hein. Donc, je pense que vous le savez déjà. Donc, c'est comme ça. Attends, je peux pas le Grinch. Le Grinch. Dans magnifique. Nous avons là, celle-ci, une édition spéciale. Donc là, c'est les... Trolls. Et c'est qui? Poppy. Poppy, regardez comment elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a, Maraleuse? Je voulais le dire. Tu voulais le dire? Alors, dis-nous. Non, parce que elle aime bien râler, elle. Ah oui, oui, elle aime bien. C'est qui? Allez, dis. C'est qui? C'est qui? Comment elle s'appelle? Ben, vas-y, on t'écoute. Ah, ben, tu voulais le dire, mais tu sais pas le dire. Tu sais pas c'est qui? C'est qui? Comment s'appelle Po? Quand. Ouais, Pocan. Voilà, on vous présente Pocan. Donc, en gros, là, on a Poppy. Les trolls, comme ça. Hop là. Regardez, franchement, elle est trop belle. Hein. Elle est super jolie. Regardez sa coupe et tout. Trop, trop mimi. Là, on va passer à un autre que vous connaissez aussi très bien. Qui est-ce? Coco. Donc, c'est Miguel, exactement, du dessin animé Coco. Regardez-moi ça. Elle est pas trop belle avec la guitare et tout. Hop là. Nous avons maintenant... le film ça, et c'est Georgie. C'est ça, hein? Ouais. Regardez, il est trop joli. Alors derrière, tout banal, hein, c'est vraiment un imperméable jaune tout simple, mais sinon comme ça, il est très très joli. Et derrière, regardez, vraiment simple, simple, simple. Il est brillant, le jaune. Ouais, il est joli, franchement, il est grave joli. Alors maintenant, nous passons à ma série que je vous disais que je kiffe tant, indémodable, Friends. Donc là, nous passons à monsieur, comment il s'appelle? Joey Triviani, de la série, donc vous avez bien compris, de Friends. Alors, je voulais aussi, oh là là, comment il s'appelle? Oh, ma zut de flûte, je voulais encore les deux autres. Oh! C'est là? Non, donne-moi, donnez-moi, comme par hasard, il faut que je vous le dise, comme par hasard, je les ai zappés. Alors que Friends, on connaît bien, bien comme il faut. Voilà, il y a Ross que je voulais et il y a, non, c'était qui? Et Chandler, c'est ça. Et ben, ils n'y étaient pas, Phoebe aussi, elle n'y était pas. Et voilà, donc en fait, j'en ai eu 3 sur 6 et je verrai si j'arrive à tomber dessus la prochaine fois, si je refais une commande, si j'arrive à voir sur Papucha si elles y sont ou pas, comme ça, ben, Inch'Allah, j'essaierai de refaire une commande, quoi. Parce que c'est là-bas souvent que je commande hein, les pop en général, hein. Je prends en magasin et aussi Pop Culture. Donc voilà, Joey Triviani. Là, nous avons Rachel. Celle-ci. C'est une... Ah, c'est une... Mais non, comme pour Chase. Exact, c'est une Chase. C'est Monica. Donc, elle est trop belle. Ouais. Monica Geller. Ah non, au top. Hein. Franchement, en plus, sa tenue, elle est magnifique. La casquette et tout, les détails. Elle est mise à l'envers et tout. Ah, franchement, rien à dire. Elle est très 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 belle. Franchement très très jolie. Hop. Et on finit avec Rachel. Oui. Non, parce que j'avais oublié les noms alors que je les connais par cœur. Mais regardez-moi ça, Rachel, sa coupe ici, son café, etc. Voilà. En fait, c'est la scène du film. Hein.
Là, c'est vraiment la pop en mode scène du film. Donc, elle est comme ça. Et derrière, hop là. Donc, elle est vraiment magnifique. Ah, j'aime trop la petite boucle d'oreille ici, là, sur le côté et tout. Génial. Et maintenant, on termine avec les pop Toy Story. Alors, je vais vous montrer celles qui sont à mes yeux. Je les aime toutes. Hein. Toutes, elles sont top. Doucement, chérie. Toutes, ça va? Ça va? Donc, en fait, elles sont toutes belles. Mais... Les floqués, c'est-à-dire l'aspect velours, ça rend tellement bien. Franchement, je conseille de dingue. Hein. Parce que celle-ci en non floqué aussi, elle est belle. Mais entre floqué et pas floqué au niveau de ces deux-là, il n'y a pas photo. Hein. Les floqués, elles sont beaucoup plus belles. Regardez-moi ça. Bonne non, mais franchement, elles sont trop jolies. Trop belles. Oh là là, hop là. Ouais, quand elles étaient sur la foire du trône, là, comme ça, accrochées. Donc, on a ces deux-là. Elles claquent. Franchement, elles claquent de dingue. Nous avons l'hérisson qui pique. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est une édition spéciale. Vous avez compris, hein, je vous l'avais dit quand je vous avais présenté avec les boîtes. Donc, il est comme ceci. Doucement, mon amour. Ça, c'est dans Toy Story 1. Regarde-moi ça. Elle est belle, hein. Franchement, elle est jolie, celle-ci. Hop. Nous avons maintenant notre amie... Forky, fourchette. Et où fourchette, ça dépend, Forky, fourchette. Moi, je l'appelle un coup Forky, un coup, je lui dis fourchette. Et en dessous, regardez, il y a marqué... Bonnie. Ça. Et son sourire, j'aime beaucoup. Oui, mon amour. Non, celle-là, c'est un cadeau. Elle me dit, ma fille, mon petit bébé, là, ma petite râleuse qui va avoir 5 ans, elle me dit, maman, tu l'as pas ouvert. Donc, je lui dis, non, celle-ci, c'est un cadeau. Donc, alors, après, on a qui les filles? Woody avec Forky dans les décidément, bras. On connaît les noms, mais quand il faut les dire, on est là. Woody, regardez-moi ça, avec fourchette dans la main. Viens, mon amour. Non, franchement, elle est grave bien. J'aime beaucoup. Il y a l'arrière, regardez, il y a la ficelle du jeu. Regardez le détail. La ficelle ici, là. Et magnifique. Hein. Ah, franchement, elle déchire. Ah, y a rien à dire. Hop. Nous avons pour finir. Alors lui, j'arrive pas à dire son nom. Comment s'appelle lui? Les belles zones. En fait, il y en a plusieurs. Je dirais pas son nom parce que moi, je l'ai pris parce qu'elle était sympa pour la collection aussi. Parce qu'on les a toutes. Il nous en manque que deux dont on n'est pas fan. Et c'est qui d'ailleurs celle qui nous manque? Bah, il y en a beaucoup qui vont dire comment ça c'est qu'ils sont pas fans. Et je vais peut-être la prendre celle-ci. Il nous manque le monstre là. Comment il s'appelle? Non, les aliens. Voilà, l'alien qui nous manque. Et l'autre là, le monsieur et Mathias. Parce que lui, je n'ai pas son nom, je les appelle Mskir. Mais l'alien, on va sûrement la prendre mieux. L'autre, on n'est pas on intéressé. Donc on a toute la collection, quoi. Comme je vous ai dit, il nous en manque deux. Et lui, son nom, j'arrive vraiment pas à le dire. Donc vous voyez, il est comme ça. Il est trop choupi. Il est choupi, lui. Il m'a fait rire dans le dessin animé avec sa mâchoire qui bouge comme ça et tout. Trop marrant. Et le dernier, comment il s'appelle ce dernier? Duc Kaboom. Comment s'appelle celui-là? Duc Kaboom. Duc Kaboom. Ouais. Kaboom. Lui, c'est celui qui fait la moto. Là. Donc voilà. Donc non, c'est bien. Franchement, c'est un beau dessin animé, moi, Toy Story. C'est vrai que j'en suis dingue avec mes enfants. Donc. Bah oui, il y a des personnages qui sont dans le 4, pas dans le 1, pas dans le nanin. Bref. Hop, donc il est comme ça, et regardez-moi les détails derrière sa veste. Franchement, super joli. Hein. Ici, on a le casque bah, pour faire justement sa moto, etc. Bon, bah voilà, on se quitte avec Toy Story. J'ai fait du mieux que possible pour vous les montrer. Donc, je vais vous laisser avec Toy Story. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec nous. Moi je vous fais de très 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 gros bisous. N'oubliez pas que le plus important c'est la santé. Donc surtout prenez soin de vous. Et vraiment encore une fois bah, j'espère que c'est pop à regarder de visu, de voir ce que nous on a choisi, ce que l'on aime, etc. Vous a plu. Alors je précise par contre hein, Friends c'est pas mes enfants, c'est moi. Voilà, c'est mon délire à moi, je m'en suis pris 3, mais le reste c'est mes enfants. Et moi-même aussi, quoi, parce que moi aussi j'aime Disney comme mes enfants. Donc voilà, du moins. Comme mes enfants. Moi j'ai appris Disney à mes enfants, etc. Ce qui est normal dans ma logique de l'âge.
Bref, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt tout le monde. À la prochaine, inchallah. Bisous, ciao ciao.